Salut à tous, Big Jet Plane, Angus et Julia Stone. Donc là, je vais vous faire une version du début jusqu'à la fin, mais simplement piano, chant. Je m'arrête pas, je joue tout, comme ça vous pourrez jouer dessus. Vous pouvez bien sûr ralentir, parce que sinon ça va aller trop vite. Donc dans les vitesses de lecture, vous personnalisez la vitesse, vous la baissez. Okay? L'idée, c'est de jouer du début jusqu'à la fin sans s'arrêter. Dans un second temps, dans cette même vidéo, je vous détaille chaque partie. Il y a une partition qui va avec, qui sera dans la description, comme d'habitude. Allez, j'y vais. Passer au détail. Si vous entendez un truc couiner, bah c'est ma pédale. Alors à la limite, c'est pas mal parce que si c'est pas beau le son, vous entendez quand j'utilise la pédale pour ceux qui utilisent déjà la pédale. Allez, maintenant on passe au détail.
Donc je vais commencer par la mélodie. Ce que j'appelle la mélodie, c'est cette petite ritournelle. Alors, il y a deux versions, une version plus facile, une version plus complexe. Je vais déjà commencer par la version facile. Donc je vais faire comme ça. Do, Sol, Mi, Sol. Ensuite, le La à la main gauche, en même temps que le Si. Puis Do. Mi grave, tout seul. Sol, Mi, Sol. Le Mi en même temps que le Ré. Si je le fais à tempo, pardon, en comptant les temps, 1, 2, 3, 4, 4. Voilà. La version plus complexe, ça va être pareil, mais je joue tous les temps à la main gauche. Tout, gauche, droite, gauche, gauche. Donc je refais cette partie. Tout, gauche, droite, gauche, gauche. Puis le Mi grave. Compris que quand je dis tout, ça veut dire les deux mains en même temps. Ça veut pas dire les 10 doigts, mais que j'ai les deux mains en même temps. Il y a une version encore plus complexe où je rajoute des petites notes. Le pouce qui va rester, à partir du moment où il y est, il va rester toute la mesure. Donc il faut bien le laisser résonner. Je vous le fais. Donc c'est plus difficile parce qu'ici j'ai laissé résonner le Do. Avec le Si, hop, je mets le La en même temps. Mi. Là, c'est le Si qui va rester. Et là, c'est le Sol qui va venir. Ça, c'est la version la plus difficile de la mélodie. Je vous la joue une fois. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus difficile. Maintenant, le couplet. Le couplet, je vais partir sur un accord de Do majeur. Do majeur, ici j'ai le Do, ici j'ai le Mi, et ici j'ai le Sol. Pourquoi je pars dans cet ordre-là? Parce que c'est un accord de Do majeur, ça veut dire qu'un accord c'est de Do majeur, c'est Do, Mi, Sol. La première note c'est Do, celle d'après, on appelle ça la tierce, c'est Mi. Celle d'après, on appelle ça la quinte. Alors, je vous explique, en vrai, ce Do, j'aurais dû le jouer comme ça. Ça, c'est un Do majeur, on voit bien. Je prends une note sur deux. Et un accord, c'est un empilement de tierces, une note sur deux. Une tierce, c'est une note sur deux. Vous voyez bien que quand je fais Do, Mi, hop, j'ai sauté celle-là. Alors, si je compte, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 5, ça c'est un Do, Do, Mi, Sol. Donc à chaque fois que je vous parlais des accords, je mettrai toujours 1, 3, 5, ok? Donc 1, 3, 5, j'ai décidé la 5, la quinte, de la mettre plus bas. Ça, je peux le renverser comme je veux, il n'y a pas de souci. C'est justement les renversements. Donc je vais jouer ça. Do à la basse, Sol, Do, Mi. 1, 2, 3, 4, puis La mineur.
Le La mineur, eh bien, c'est La, Do, Mi, 1, tierce mineure, 3, 5. Le Mi mineur, alors le Mi mineur, c'est Mi, Sol, Si. Donc là, je vais faire Mi, ici, le 1, Sol, la tierce, et Si, la quinte. Donc, Sol, Si, Mi dans cet ordre, mais en réalité, mon accord, c'est Mi mineur, Mi, Sol, Si. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je le fais deux fois, on appelle ça 2 fois 4. Donc, une fois 4, c'est une mesure, donc deux mesures. Le couplet, c'est donc 1, 2, 3, 4 sur le Do majeur, sur le La mineur, sur le Mi mineur. Je fais tout le temps ça jusqu'à, donc il y a trois phrases entières, jusqu'à ce qu'ils disent « She drive me crazy, she drive me crazy. » « She drive me crazy, she drive me crazy. » Là, je vais faire Mi mineur une fois, et puis, hop, le Sol. Sol, Si, Ré. Vous voyez que là, poum, 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 j'ai mes tierces dans le bon ordre. On appelle ça l'état fondamental. Donc, là, j'ai pas renversé. 1, 3, 5. Sol, Si, Ré, c'est Sol majeur. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer et le couplet et le refrain. Pourquoi ? Parce que le refrain, ça va être pareil. Ça va être Do. Gonna take a for a ride on a big, La mineur. Jet plane. Mi mineur. Encore Mi mineur. Do. Gonna take for a ride, La mineur, on a big airplane, Mi mineur, et Sol, Sol, Si, Ré. Une fois sur deux, je vais donc remplacer le deuxième Mi par un Sol. Do, La mineur, Mi mineur, Mi mineur. La seconde fois, Do, La mineur, Mi mineur, Sol. Voilà. Donc après, vous avez tous les éléments ici pour jouer, sauf le pont. Voici le pont. Le pont, c'est Fa, La, Do, Mi, un Fa majeur 7. Donc, ce Fa-là, imaginons que je le mette là, on voit très bien que je jouerai 1, 3, 5, 7. C'est-à-dire, à chaque fois, je prends une note sur 2. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Fa, c'est la fondamentale, la 1. La, c'est la tierce, Do, c'est la quinte, Mi, c'est la 7. Simplement, le Fa, je le fais dans les graves. Et je joue, on appelle ça une ronde, je joue une fois, ça dure 4 temps. Donc, 2, 3, 4. Puis, je vais jouer Sol à la basse, et puis Sol, Si, Mi. Qu'est-ce que c'est cet accord ? C'est un Mi mineur, 1, le Mi, 3, le Sol, Si, la quinte, 1, 3, 5. Mais au lieu de faire un Mi, comme d'habitude, là, je joue un Sol à la basse, donc sa tierce. 1, 2, 3, 4, de la même façon. Donc Mi mineur, basse de Sol. On précise la basse quand ce n'est pas justement la fondamentale, quand ce n'est pas la une qui est en bas. D'accord ? Tout à l'heure, je jouais un Mi mineur, eh bien, je disais juste Mi mineur. Mais là, parce que je jouais un Mi en bas. Mais là, je joue pas le Mi, donc une autre note. Là, c'est la tierce de mon accord. Donc là, je dois le préciser. On voit sur les partages, vous avez EM, Mi mineur, Tré, qui veut dire basse de, G, Sol. Donc j'ai fait mon 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je pars sur un La mineur classique. La, Do, Mi, 1, 3, 5. Hop. Et je vais alterner le Do avec le Si, c'est la seule chose qui va changer, mais en jouant toujours les trois notes. Donc La, Do, Mi, La, Si, Mi, La, Do, Mi, La, Si, Mi. Attention, il faut bien changer de doigt. Il faut jouer comme moi. À la main gauche, eh bien, tous les quatre temps, je rejoue une fois. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et je rejoue la basse. 1, oh, pardon. Je vous fais ce pont que moi j'appelle le pont gentil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
je vais passer à ce que j'appelle le pont méchant, parce qu'on s'excite, il y a un peu plus de coups. Donc, à la main gauche, au lieu de jouer des rondes également, c'est-à-dire une fois, ça dure 4 temps, eh bien là, je vais jouer des noirs, c'est-à-dire 4 coups. J'ai donc ici, je joue comme avant, une seule fois, ici 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je refais une seconde fois ce pont méchant. Gonna hold you away from home. Et je repars sur le refrain. Le refrain, on l'a déjà vu. Et puis après, la mélodie, on l'a déjà vu. Enfin, il y a une dernière petite subtilité que j'ai pas jouée dans le morceau parce que c'est une version un peu plus difficile que je vous propose là. Dans le refrain, vous pouvez jouer ce qu'on appelle des accords brisés. Qu'est-ce qu'un accord brisé? C'est un accord, donc par exemple je prends Do. C'est un accord où je ne joue pas toutes les notes en même temps. Donc là je vais jouer le Do, le Mi. En gros, il faut retenir que je joue tout sauf ce sol là. Et en réponse, hop, le sol tout seul. Donc j'ai deux notes, une note. C'est un accord brisé. Voilà, en fait, il faut alterner Do Mi avec le sol. Ok ? Ça, c'est ma main droite. Avec la main gauche, tous les temps, donc tac, 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 tac. C'est assez simple si on se dit que finalement, je joue tout sauf le pouce. Et ensuite, hop, le pouce tout seul en réponse. 1 et 2 et 3 et 4 et... Attention à ne pas faire sautiller trop les doigts. Hein. Pareil sur la mineure. C'est donc le La qui est en réponse. Pareil sur le Mi mineur. C'est donc le Sol qui est en réponse. Et puis quand je vais jouer mon Sol, ce sera celui-là. Donc je vous le fais. Gonna take for a ride on a big airplane. Gonna take for a ride on a big airplane. Ainsi de suite. Voilà, vous avez tout, donc ça vous pouvez le faire dans tous les refrains, même dans toute la chanson, sauf le pont évidemment, c'est pas les mêmes accords. Mais voilà, c'est une version un peu améliorée. Allez, bisous, à bientôt.